Lorsqu'on pratique la méditation assise, il est important que la posture même soit empreinte de dignité. La tête, le cou et le dos sont droits, mais pas raides, les épaules relâchées et les mains posées confortablement sur les cuisses ou sur les genoux. Suivez le mieux possible mes instructions, puis servez-vous des moments de silence pour pratiquer seul. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise ou bien par terre, vous appliquant simplement à être pleinement éveillé, pleinement présent à ces instants. Si cela vous convient, vous pouvez fermer doucement les yeux, sinon, vous laissez votre regard flotter en direction du sol ou d'un mur. Vous vous ouvrez simplement à la sensation du souffle qui entre et sort de votre corps. Concentrez-vous sur la sensation du souffle qui pénètre les narines ou sur la sensation du ventre qui gonfle doucement à chaque inspiration, puis se dégonfle doucement à chaque expiration. Demeurant simplement ici, instant après instant, en suivant le souffle qui entre et le souffle qui sort. Dès que vous constatez que votre esprit est parti ailleurs, où que ce soit, ramenez votre attention à vos narines, ou à votre ventre, ou à toute autre partie du corps sur laquelle vous avez décidé de vous concentrer. Et si votre esprit s'égare un millier de fois, ramenez-le simplement un millier de fois, cultivant délibérément une attitude de patience et de douceur envers vous-même. Ce qui signifie, autant que possible, ne pas réagir, ne pas juger vos pensées ni vos émotions, vos impulsions ou vos perceptions. Car dans ce travail en pleine conscience, absolument tout ce qui pénètre dans le champ de la conscience est bienvenu. Quel que soit ce qui se présente à notre conscience, nous restons assis en sa compagnie, nous respirons en sa compagnie et l'observant, tout en étant ouverts et éveillés à l'instant, ici même, à cet instant même. C'est un processus continuel où l'on voit et où on laisse être, où l'on voit et où on lâche prise. Sans rien rejeter, sans rien convoiter, demeurant dans l'immobilité et le calme, tandis que le souffle entre et sort.
chevauchons simplement les vagues de notre souffle. Moment après moment, respiration après respiration. À la fin de cette séance, restez centré quelques instants encore, tandis que le son des clochettes s'éloigne. Goûtez au son et à l'éveil auquel il invite. Avant de vous lever, peut-être pouvez-vous vous engager ici et maintenant à entretenir cette présence tout au long de votre journée, en vous rappelant que vous pouvez établir le contact avec votre souffle, à tout moment, insuffler de la pleine conscience, du calme et de la clarté à chaque instant de votre vie qui se déploie, quel que soit l'endroit ou le moment. Vous pourriez aussi vous redire l'importance d'une pratique régulière, si possible quotidienne, seule ou avec un CD.